Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Slender. Donc c'est le Slender original qui marche sur mon ordinateur comme vous pouvez le voir désormais. Alors nous allons enfin pouvoir y jouer. Quand je vais dans là, qu'est-ce que ça donne? D'accord, donc ce sont des liens en fait. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Ça, qu'est-ce que c'est? D'accord. Les options. On va laisser les options telles qu'elles sont. Donc, je suis obligée de rester en clavier QWERTY, d'après ce que j'ai lu sur le site. Non. Ben, c'est pas grave. Je ne me souviens plus de la touche pour courir. Zut. Voilà, le but c'est de récupérer les 8 pages. Enfin, peut-être pas pour cette fois-ci, hein, parce que voilà quoi, mais... Notre but ultime sera de récupérer les 8 pages. Et bien voilà, ben évidemment, c'est encore un clavier QWERTY. Bon alors par contre, comme vous le savez déjà... Mon sens de l'orientation est absolument... Ah si, je peux courir comme ça. Immonde. Alors, pour récupérer les 8 pages, et bah... On est, disons... mal parti. Alors, je crois qu'il y a... plus de bâtiments qu'il n'y a de pages et qu'elles apparaissent aléatoirement. Oh, on va super doucement. Ça, c'est franchement moyen, on va dire. D'accord, donc on a une page. Super, j'aurais aimé qu'il n'y en ait pas. Je crois que c'est clic gauche, hein, c'est ça. Ouais, pour récupérer les pages, c'est clic gauche. Alors le chemin... je viens d'un chemin que je ne voulais pas perdre et que j'ai perdu. Youpi! Non, c'est bon, c'est là. Bon, ben, j'ai retrouvé le chemin, c'est déjà ça. J'ai cru que je l'avais perdu. Ben, je me dis en fait qu'en restant sur le chemin, il y a des chances qu'on arrive à tous les bâtiments. Et donc qu'on ne se perde pas trop, mais je ne sais absolument pas si je me trompe ou pas. Peut-être qu'en fait ce n'est pas sur le chemin partout. Oh là là, il est où? Bah vous l'avez vu vous? Pas moi. Comme je suis censée y voir mieux que vous. Ah ça y est, je l'ai vu. Comme je suis censée y voir mieux que vous, voilà, il n'y avait pas de raison pour que vous le voyez et pas moi. Bon bah zut, il nous a déjà trouvé, c'est le début. C'est pas comme ça qu'on va trouver les 8 pages, hein. Ça c'est sûr. Comment je recule ? Comme ça. En reculer n'est pas forcément une très bonne idée. Mais je sais pas, j'aimerais pas en louper sur ces espèces de citernes. Citron, j'allais dire citron. Non. Citerne. Ah, j'aime pas ce clavier. Je veux un clavier normal. Pour jouer normalement si possible. C'est tellement bien de pouvoir jouer normalement un jeu. Bon. Ah, W pour avancer, c'est pas possible. C'est toujours dans les jeux où il faut fuir que je ne sais pas appuyer sur le W. C'est terrible, absolument terrible.
Marc, vous me direz, je ne joue pas à d'autres jeux avec le clavier QWERTY. Ça peut expliquer pourquoi c'est toujours sur ce genre de jeu. Aïe, 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 aïe. Je suis obligée d'aller là. Mais si elle n'est pas jouée, je suis obligée. Bon, bah, on va se brouiller, hein. On va faire ça archi rapidement. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Je n'aime pas être perdue. Il me faut une page, là. Il va me choper. J'aurais même pas le temps de dire ouf. Enfin, de dire pas ouf, justement. Je n'aurais même pas eu le temps de m'inquiéter. Alors, s'il y a une page, je ne sais pas dans quel coin elle est censée se trouver. Je ne sais même pas s'il y a possibilité qu'elle soit quelque part là-dedans. Si oui, je ne sais pas où. Là, j'y suis allée, donc je vais là. Je me dépêche hein, quand même parce que je me suivais d'assez près quand même. Bon, j'ai rien vu, mais en même temps. Je suis pas très très bonne pour voir les trucs. Je suis pas allée là. Si, je crois. J'en ai aucune idée. Bon. On vient d'où ? Ben, je sais pas, donc... Ah, je viens de là ! Si, si, je viens de là. Donc, on va... Il est où ? Il est forcément quelque part dans les parages. Petit Slender, où es-tu ? J'hésite à m'enfoncer dans les sous-bois. Est-ce qu'on fait demi-tour ? Est-ce qu'on va dans les bois ? Est-ce qu'il y a des trucs, des pages à récupérer dans les bois? Ah, mais il y a un chemin! Ah bah génial, on va rester sur le chemin. J'ai quand même... Avance! W! Oh mais quelle lenteur, c'est pas possible. D'accord, il y a un chemin là. Il y a un truc là. Il y a des pages là-dessus ou pas? Oui, il y a des pages. Oh, je le vois. T'es pas forcément obligé de me suivre. Ah, il y a un grillage. Oh, oh, oh. Bah écoutez, on va suivre le grillage jusqu'à revenir au chemin du début. Et on prendra les chemins de gauche. Quel bon plan! Si on y arrive, hein, évidemment. Si tu pouvais me suivre sans faire de diagonale pour me rattraper, je serais très heureuse. Malheureusement, je pense que tu vas faire une diagonale. On dirait une page, mais c'est pas une page. Vous allez voir, je vais voir des pages partout maintenant. Vous avez vu, il y a un truc blanc quand je cours. Je vais peut-être pas non plus nous épuiser, mais... D'accord, bah le truc blanc, je crois que c'est... Là-bas, on voit de la lumière. Au loin, derrière les arbres, donc ça doit être la lune. Ouais, la lumière de la lune. Bon. Alors par contre, quand on a récupéré les 8 pages, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. C'est un carré là? Ah oui, c'est un carré, d'accord. On va courir encore un petit peu, hein, si c'est un carré. Vu que monsieur passe en diagonale et que nous, on fait des carrés, je pense. Alors on a 2 pages. Ouais. Mais bah, je sais pas trop comment on peut faire.
on n'y voit rien du tout, je vois même pas le chemin. On s'est tant éloigné que ça du chemin du début. Avance! Oh, mais c'est pas possible, je fais la même chose tout le temps sur les jeux. J'appuie sur W et sur S en même temps. Ça risque pas d'avancer. Hein. Par contre, quand je cours en même temps, ça me donne le tournis. J'ai peur que j'arrête, mais ça va tellement, tellement doucement. Oh là là là. D'ailleurs, non seulement il y a Amnesia qui va bientôt sortir, mais il y a également un autre jeu qui a l'air vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a le trailer sur YouTube. Je sais pas quand il sort, par contre, je sais plus. Il s'appelle Outlast. Il a l'air franchement bon. J'attends sa sortie avec impatience. C'est toujours le même genre de jeu. Hein. Je râle un petit peu. Mais on peut courir vite, apparemment. De ce que j'en vois, du moins, les monstres courent très très vite. Donc je pense que nous aussi, on doit pouvoir courir un petit peu comme dans Amnesia. Et j'y pensais justement parce que dans ce jeu-là... Avance ! Il y a de la vitesse ! Contrairement à là où on n'avance pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est lent ! Par contre, franchement... Enfin, je sais pas. Je trouve que Slender fait quand même beaucoup moins peur que d'autres jeux. Après, je sais pas, je suis peut-être pas... Je suis peut-être moins sensible au style vieille télé cassée, mais... C'est pas mon préféré, honnêtement. Il est bien, hein, mais... Je sais pas, j'ai quand même une préférence pour les SCP. Avance ! Bunnymen, The Corridor, tout ça. Avance ! Je trouve qu'ils ont quelque chose en plus. Enfin, du moins par rapport à cette version-là, j'entends, mais bon, faut bien commencer par l'original. Puis c'est peut-être l'effet labyrinthe, se perdre un petit peu partout, comme j'ai pas le sens de l'orientation. Ça doit pas être mon truc. Mais dans Bunnymen aussi, il y a des forêts, hein. Ou moins grande. Mais il y a des forêts aussi. Hein. Ok, il me rattrape, c'est cool. En attendant, moi, je n'ai toujours pas retrouvé mon chemin de départ. Donc je suis complètement paumée. Avec le cylindre qui me rattrape. Alors, je surveille mes pieds. Avance, 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 avance. Pff. Mais écoutez, où est le chemin? Ah, je ne sais pas. Hein. Est-ce que ça fait un carré déjà ce grillage? Parce que j'ai déjà eu trois tournants à 90, donc je pense que ça doit faire un carré. Trois tournants à 90, donc en toute logique, je devrais déjà avoir retrouvé le chemin du début. Bon, on va commencer à se diriger un peu vers la droite. Quel est cet endroit? C'est un... Oh là 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 là. Oh, je suis paumée. J'avais dit un peu vers la droite, pas complètement vers la droite. Avance! Il s'arrête tout seul, je sais pas pourquoi. C'est terrible. Bon. On va vers la droite. C'est comme ça. À force d'aller vers la droite. Ah bah j'ai un chemin. Ça tombe bien, c'est ce que je cherchais. Je l'ai perdu. Bon. Ceci est un gros arbre. Je suis paumée. Faut que j'aille. Bon. En plus, j'y vois pas grand chose. Hein. Il fait vraiment très sombre. Je n'y vois franchement pas grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, ce sont beaucoup d'arbres. Ils ont des gros troncs. Ils sont bizarres, ils sont entremêlés. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un espace et je ne vois rien derrière.
suis curieuse. Ah, ceci est un chemin. Oh, ceci est une citerne. Deux citernes. Mais attendez. Ce ne sont pas les citernes à côté des trucs là. Dans le genre, je suis paumée. Je suis carrément paumée parce que ce ne sont pas les citernes en question. Il est juste derrière moi. Comment tu veux que je vérifie les citernes si tu te mets juste derrière moi? Il nous colle au train. On est non seulement perdu, mais on est bien pris au piège. Mais si, c'est là où on était tout à l'heure, non? C'est bien le bâtiment public là. Ben oui, ben ce sont les mêmes citernes, mais j'ai rien. Et donc on tourne en rond, donc je vais faire comme ça, et on va aller à gauche. On va prendre tout droit à travers les arbres, on va voir où ça mène. Allez hop, c'est décidé, c'est comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chemin. Ah, y aurait-il un chemin? J'ai l'impression que ma lampe diminue. Les batteries de ma lampe s'affaiblissent. Vous n'y voyez sûrement plus grand chose. Notre lampe torche nous a quittés. Adieu. Rip la lampe torche. Bienvenue dans cette forêt sombre. Vous voyez les arbres, je vois quelques arbres par-ci par-là. Bon bah, ce que je vous propose, c'est de nous laisser attraper par le slender, parce que... C'est pas que j'ai peur du noir, mais alors vous n'y voyez rien, mais sachez que moi non plus. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, ça va être de nous laisser avoir. Le son est un petit peu fort, donc je pense que je vais sauver mes tympans et enlever au moins d'un côté, comme ça je ne serai sourde que d'une oreille. Ah, j'arrive plus à courir, je peux plus courir. Bon bah, je pense que quand on n'a plus de batterie, ils mettent fin à nos souffrances automatiquement. Ah non, je cours, je lui échappe. Que de suspense, mais on n'a plus de lampe, on n'a plus rien du tout. Franchement, j'y vois plus rien. Vous voyez, la seule chose que je vois, ce sont les hauts des arbres et les étoiles. Bon, remarque, on peut essayer de se diriger avec les étoiles. Je suis pas certaine du résultat, hein, mais bon. Ah, je le vois, il est là. Moi la paix. Moi je sais pas, vous voulez qu'on se laisse tuer, mais bon. Je sais pas, je suis pas très motivée pour nous faire tuer. Bon, on n'y voit plus rien. Si on voit les étoiles, voilà, là vous avez un écran où on y voit quelque chose. Moi aussi, donc ça nous change. C'est une très bonne chose. Non, franchement, sans lampe torche. Bon alors c'est très bien, on a survécu pas mal de temps, hein. Le problème c'est pas de survivre, mais c'est de trouver les pages. Mais en même temps, j'ai vraiment zéro sens de l'orientation. Hein. Quand je dis zéro, vous voyez que je ne vous mens pas. Hein. Ah, on dirait qu'il y a un chemin là. Je ne vous mens pas. Et donc on est un peu mal, quoi. Les pages. Bah, j'ai l'impression que c'est une clairière là, je sais pas ce qu'il y a, mais. Oh, il y a quelque chose! C'est rond. On dirait que ça a une forme cylindrique. Et on dirait que je suis en train de tomber dans le néant avec tout ça. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je sais pas où on est là.
Je crois qu'on est revenu au truc des citernes. Oh. Bon, on va se laisser attraper par le slender parce que franchement, vous n'y voyez rien. Je n'y vois rien. Ça n'a pas d'intérêt du coup. Et je trouve ça débile d'avoir mis une lampe torche limitée parce que voilà, ça n'a plus d'intérêt. On n'y voit strictement plus rien. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va se mettre là. Sous les étoiles et... C'est bon, il nous a choqués. Il a entendu notre appel au secours. 2 pages sur 8. Waouh, c'est extraordinaire. Bon, bah écoutez, on va peut-être essayer les autres avant parce que là... Je me ferai peut-être une carte, moi, tout seul, sur le chemin et je noterai les chemins qu'il faut prendre et tout, peut-être. Pour essayer de nous y retrouver un petit peu mieux, mais je sais pas. Je ne sais pas. On va peut-être essayer les autres avant et du coup, et pour voir un petit peu si par hasard on peut marcher plus vite ou pas. Et si les chemins sont un peu plus faciles à trouver pour moi et que ce soit plus intéressant pour vous que de marcher tout seul la nuit dans la forêt sans lampe, torche, sans rien du tout. Pour tout simplement se faire tuer dans le noir et n'y voir rien du tout. Donc, on verra bien. Bon bah j'espère que ça vous aura plu quand même, même si on a surtout vagabondé dans les bois sans trouver grand chose. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, pour essayer les autres. Et donc à très bientôt. Portez-vous bien.